Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dédiée au Petit Lenormand mais aussi au Tarot de Marseille. Oui, une petite surprise pour vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes comme moi, le Petit Lenormand n'est pas le seul oracle avec qui vous travaillez. Mais pour moi, c'est mon outil de base. Donc, j'utilise toujours lors de mes consultations. Et après, en même temps, je peux utiliser un tarot ou un autre oracle pour affiner la réponse et avoir plus de précision sur certaines choses. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le tarot de Marseille en même temps que le Petit Lenormand pour une technique qui est, quand on le sait, facile et ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de précision. Donc, je vous invite à me rejoindre sur la table de voyance et nous allons jeter un coup d'œil beaucoup plus près à cette méthode que j'ai inventée. Donc, les jeux que nous allons utiliser aujourd'hui pour ce petit cours, ça va être déjà un tarot de Marseille, d'accord? Donc, et on va utiliser que les 22 majeurs, hein, on ne va pas utiliser les mineurs, on va utiliser que les majeurs. Vous faites en sorte que vos cartes soient à l'endroit, parce que moi je ne les lis pas à l'envers, hein, je les lis seulement à l'endroit. Je trouve qu'il y a assez de messages, de guidance à travers ces 22 lames à l'endroit et qu'on n'a pas besoin de rajouter encore une couche pour les rendre inversées. Mais ça, bien sûr, c'est mon point de vue, hein, donc si vous aimez lire les renversés, vous les faites aussi. Donc on aura besoin du 22 et ça, c'est un petit coffret des éditions Trajectoire que j'avais acheté qui était vraiment... ouais, j'ai acheté en 2017, j'aime bien noter les dates. Je ne l'avais pas payé très cher, je crois que ça coûtait voilà, 25 euros, qui est pour moi, pour un jeu, 25 euros, c'est raisonnable. Il y a le petit livret que je n'ai pas du tout utilisé, j'ai regardé un peu, mais bon. Voilà, j'ai mon symbole pour le tarot, donc j'utilise cela. Donc, je vais utiliser les 22 majeurs, et je vais aussi utiliser l'un de mes petits Lenormands, qui s'appelle le Black Cat Lenormand ou le Lenormand Chat Noir. Okay? Donc là, c'est dans la version Deluxe. Hein? Il y a les bords, si vous voyez bien, il y a les bords dorés et c'est beaucoup plus large que la taille Bridge qui est l'édition standard. De toute façon, je vais vous mettre tout dans la boîte de description où vous aurez les liens si vous voulez jeter un petit coup d'œil. D'accord? Juste pour dire que ce jeu m'est venu en rêve. Et après ce rêve, c'est un rêve que j'ai fait où j'étais en Italie et dans une autre époque où je tirais les cartes aux gens et j'utilisais ce jeu-là précisément. Et la personne qui me consultait, elle m'avait payé en lire. Donc il faut savoir que le lire a été remplacé depuis 2000, je crois, par... comme pour nous en France, par l'euro. Donc, après ce rêve, j'ai essayé de recréer le plus proche possible ces cartes-là. Donc, elles sont très spéciales pour moi. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par, bien sûr, avoir une question. Parce que le Lenormand, ou peu importe les autres oracles, on a besoin quand même d'une intention, d'une question pour pouvoir démarrer un tirage. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple. Quelle question j'ai eu récemment en consultation? D'accord, les travaux dans ma maison. Alors, on va voir. C'est une dame qui était venue me voir et elle voulait savoir si elle pourra terminer les travaux dans sa maison d'ici la fin de l'année. Donc, ce qu'on va faire, mélanger les cartes. On commence par le tarot, hein. D'abord, et vous allez comprendre pourquoi à l'instant. Donc, je fais couper. Moi, j'aime bien que mes clients touchent mes cartes et mettent leur énergie. Donc, coupe de gauche à droite. Bien sûr, on part du passé pour aller vers l'avenir. Et je regarde ma coupe. Ici, j'ai l'ermite et le diable. Donc, je vois bien là qu'il y a un moment d'attente et que... elle ne peut pas trop bouger, trop prendre de décisions, elle est un peu ligotée. Donc les choses ne sont pas vraiment bien pour elle.
Donc, ce qu'on va faire, on peut éventuellement commencer par tirer trois cartes du haut ou sinon mettre le jeu. J'aime bien faire ça. Mettre le jeu en éventail pour la personne et elle va me tirer trois cartes que je vais mettre de gauche à droite comme ceci. J'espère que la caméra filme tout ça bien parce que là j'ai pas de vue. C'est pas une super vue où je suis, dans le sens où je suis tourné. Donc voilà, on a nos trois cartes. On va retourner ces trois cartes. Le soleil, la tempérance et la papesse. Maintenant, nous allons passer au petit Lenormand. On va mélanger, toujours sur la même question. On va demander à couper le jeu de gauche à droite, de la main gauche, la main du cœur. On analyse la coupe. Je vois la bague et je vois le renard qui est pour moi un contrat de travail. Donc là, mon intuition me dit que on parle du contrat avec l'artisan, hein, la personne qui fait les travaux. Donc là, on ne va pas étaler le jeu comme on a fait l'an premier pour le tarot. On va regarder la première lame du tarot qui est 19. Et nous allons compter 19 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et la 19e carte va aller dessous le soleil. Et chose magique, on retrouve le soleil et le soleil. Ce n'est pas un trucage, hein. J'ai bien mélangé les cartes comme je vous ai montré. Juste pour vous dire que les oracles parlent en unisson. Elles ne vont jamais se contredire. Elles vont toujours pointer vers la vérité. Maintenant, nous passons à la deuxième carte, la lame 14 de la tempérance. Et nous allons compter, continuer. Jusqu'au numéro 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On a ici les poissons. On passe à la troisième lame, la papesse. Deux cartes, une et deux. Et on va mettre la carte dessous, pardon. Et là, on va commencer notre interprétation. On va commencer par les deux jeux séparément et après on va les marier ensemble pour avoir un peu plus de précision. Alors nous commençons par le soleil. Le soleil nous annonce que les choses ont bien démarré, que les choses, parce que là c'est plus passé, présent, futur, hein, on avance dans le temps parce qu'on veut savoir si les travaux seront finis. Alors, les choses avaient bien commencé, c'était un succès, une réussite. Et soudainement, avec la tempérance, on est un peu indécis, les choses ralentissent, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais vraiment, il y a des choses qui doivent être maîtrisées. Finalement, en réponse, ou dans le futur, nous voyons la papesse. La papesse, ici, me parle de contrat rempli, de contrat terminé. Rappelez-vous de la coupe, on a eu le renard et la bague, qui nous donne aussi la notion de contrat, pardon. Nous passons maintenant au Lenormand qui nous confirme que dans le passé, le soleil y était, il y avait du succès, avec les poissons qui sont aussi une carte d'eau, la tempérance est aussi une carte d'eau où l'ange fait traverser l'eau de gauche à droite. Et ici, avec les poissons, pareil, on voit que le flux a été peut-être tempéré ou ralenti ou un peu dispersé, comme les bancs de poissons qui fuient. Voilà, un peu dispersé. Mais finalement, nous avons l'ours. L'ours nous montre qu'il y a quand même une concrétisation, que les choses sont en ordre et que les choses sont faites. L'ours est aussi la carte du patron, la carte du travail. Avec le poisson, on voit bien que c'est l'entrepreneur, pardon. L'entrepreneur réussi. On marie les cartes. On va commencer par la méthode du miroir qui consiste à refléter les cartes comme si on les regardait dans un miroir. Donc, le soleil et l'ours, on voit aussi une grande réussite, forte, déterminée. Le soleil et la papesse, encore ici un contrat rempli, un contrat achevé. La tempérance et les poissons nous dit que
avec le temps ou dans le temps, les choses vont se concrétiser et les choses vont réussir. Donc voilà comment on peut utiliser tout simplement son magnifique tarot de Marseille en même temps que le petit Lenormand. Maintenant, si par exemple ça arrive que vous avez compté par exemple les cartes, vous êtes arrivé à là pour avoir une carte, vous avez compté encore pour arriver à là, et par exemple il vous faut encore 6 cartes, mais il ne vous reste que 2. Ce qu'on fait à ce moment-là, on continue, on fait 1, 2, et on reprend toute la pile. 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc, c'est une méthode très simple. Moi, j'adore les choses simples et les choses qui sont efficaces et qui n'est pas un casse-tête chinois non plus, hein. Il suffit juste d'être fluide dans les deux langages. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que on peut aussi regarder qui regarde qui fait quoi. On voit ici la tempérance, elle fixe le soleil. Donc, le tarot peut regarder le Lenormand, mais le Lenormand, lui, ne va pas agir sur le tarot. On ne va pas regarder dans quel sens l'ours regarde. On ne va pas regarder dans quel sens le poisson pointe. Dans le Lenormand, ça n'existe pas. Il faut respecter les techniques. Il ne faut pas mélanger. Là, on a fait une technique commune, mais chaque ligne d'interprétation a donné la même réponse. Et vous allez voir, quand vous faites les oracles, c'est pareil, hein. Donc, cette méthode peut aussi être faite avec un oracle, par exemple l'oracle G, je crois, a des chiffres, ou l'oracle de la triade. La triade, ouais. La triade, j'avais un jeu il y a longtemps. Il y a les chiffres, donc on peut faire pareil, mélanger, tirer une lame, trois lames, et regarder le chiffre qui apparaît. Mais ce qu'il ne faut pas faire surtout, hein, c'est que par exemple là, c'est la carte 14, il ne faut pas chercher la numéro 14 dans le jeu. On ne veut pas ça. On va compter pour avoir la position. D'accord? Donc, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, je suis là, j'essaierai de vous répondre au plus vite possible. Et j'espère que cette petite méthode vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous et pourquoi même pas aussi en même temps la partager avec les autres. D'accord? Comme d'habitude, il ne faut pas oublier de s'abonner, c'est gratuit. L'avantage que je dis toujours, c'est que aussitôt que je mets une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification, un message à l'email de YouTube qui va vous dire, voilà, la chaîne d'Alexandre a mis une nouvelle vidéo, elle est prête à être regardée. Donc là, vous êtes en première ligne, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Et comme vous l'avez vu, je partage beaucoup de techniques, je partage beaucoup d'interprétations, d'associations et il y a plein de choses encore que je veux partager avec vous. Mais pour cela, il faut qu'il y ait quand même des vues, hein. Je ne vais pas faire de vidéos dans le vide, bien sûr. C'est fait pour aider les gens. Je veux que les gens l'appliquent, l'utilisent, la partagent. Et tant qu'il y a du partage, pour moi, je suis content, hein. Je suis content. J'ai fait cette chaîne vraiment pour aider. Je n'ai pas de retour financier là-dessus, hein. Je ne gagne rien avec YouTube pour les vues ou quoi que ce soit. Je fais mes consultations, je crée mes jeux, je les vends, je les montre. Si les gens sont intéressés, ils peuvent en acheter, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Et voilà. Donc, c'est surtout pour partager, c'est surtout pour faire connaître le petit Lenormand qui, pour moi, malheureusement, est vu comme un jeu banal, comme un jeu qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas d'intérêt. Et sachez-le que le Lenormand vraiment de quoi intéresser les gens, a vraiment de quoi épater les gens. Donc moi, quand je fais mes tirages, je vois, hein, les gens comment ils sont transformés, transcendés par la clarté, par la clarté, pardon, du message de cet oracle. Donc partagez-le, faites connaître ce jeu et vraiment, on va redonner au petit Lenormand ses lettres de noblesse, ses lettres d'or et c'est mon souhait vraiment le plus profond. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.